Chers confrères, chers consoeurs, bonjour à tous. Je remercie l'équipe organisatrice comme mes prédécesseurs pour nous permettre de nous réunir ici et partager nos travaux, nos expériences et notre pratique quotidienne. Je vais vous parler de l'extraction dans la continuité de ce qu'on vient de voir. Je vais vous parler de l'extraction, implantation immédiate, intérêts et limites. En introduction, le protocole implantaire conventionnel décrit par l'école suédoise dans les années 80 consistait notamment dans un premier temps, la phase chirurgicale avec la mise en nourrice de l'implant et une attente de 4 mois jusqu'à 6 mois en fonction de la mandibule ou du maxillaire. Ensuite, le deuxième temps vient compléter ce travail pour la partie prothétique, le travail de prothèse. Au fil du temps et de l'évolution de notre société, les attentes des patients sont devenues de plus en plus grandes en termes d'esthétique, en termes de rapidité de réalisation de nos travaux de prothèse ou de notre construction prothétique et de confort également. Donc d'autres protocoles sont apparus et avec des taux de succès proches des protocoles traditionnels, par exemple l'extraction implantation immédiate qui nous intéresse aujourd'hui. Voici quelques rappels, ce sont les protocoles de pose implantaire selon Chêne et Buzer. Vous avez le type 1, c'est ce qui nous intéresse, donc c'est le protocole de pose immédiate. Ensuite le type 2, c'est la pose précoce avec cicatrisation des tissus mous seulement. Ensuite, la pose précoce également, en type 3, c'est la cicatrisation des tissus durs. Et vous avez le type 4, c'est la pose différée au-delà de 6 mois de cicatrisation. Dans cette classification de l'ITI 2018 de Gallucci, nous avons une association, si vous voulez, des types en vertical. Vous voyez ici, donc le protocole de pose et en horizontal, vous avez le protocole de mise en charge. Est-ce qu'on va mettre en charge dans la semaine? Ça sera le type 1A. Mise en charge entre une semaine et deux mois, c'est le type 1B. Ou alors une mise en charge de notre prothèse au-delà des deux mois, c'est le type 1C. Ici, la classification des différents types alvéolaires en fonction du degré de défaut des tissus muqueux et des tissus durs, bien connus des lianes, lui nous préconise l'extraction implantation immédiate uniquement dans le type 1. Vous allez voir que selon les auteurs, il y a des différences. Donc Chou et collaborateurs ont affiné cette classification des lianes en subdivisant le type 2, donc avec maintien toujours du tissu muqueux, mais avec une résorption plus ou moins importante de l'os. Et pour Chou et collaborateurs, ils autorisent la technique d'extraction implantation immédiate également dans le type 2A, c'est-à-dire lorsqu'on a une perte osseuse minimale ou une perte osseuse faible de 5 à 6 mm. Également, une autre classification de Funato, là aussi, il nous donne des indications sur ces différents protocoles. Le type 1, lorsqu'on a les conditions idéales, c'est-à-dire un biotype, on en a parlé tout à l'heure, le biotype gingival qui est épais, présence d'os alvéolaire, l'implant peut être mis en place en technique d'extraction implantation immédiate avec un résultat optimal. Ensuite, la classe 2, lorsqu'on a un biotype fin, il préconise toujours cette technique d'extraction implantation immédiate, mais en associant une greffe tissulaire pour avoir un résultat bon, on va dire. Et la classe 3, où le résultat attendu peut être acceptable, il s'agit de la classe, ou si vous voulez, du type où on commence à avoir un déficit osseux, eh bien, pour régler ce problème, il va associer une ROG, une greffe tissulaire, donc de tissu osseux, et également de la greffe de tissu conjonctif. Quant à la classe 4, où on a une perte osseuse très importante, Funato déconseille la technique d'extraction implantation immédiate. Voici donc maintenant la phase de l'étude pré-implantaire, on l'a vu et on va le revoir.
Donc quand on répète les choses, peut-être qu'on enregistre mieux. Donc l'étude préimplantaire consiste dans la planification. On l'a vu avec nos amis de prothèse. Bien entendu, cela se fait également en implantologie. La planification implantaire est une étape préalable à la chirurgie de pose d'implant, bien entendu. Elle découle de l'analyse de l'ensemble des informations collectées lors de l'examen clinique, on l'a vu tout à l'heure avec notre ami prothèse, et radiologique également, on l'a vu avec monsieur, avec docteur Sahbi, et donc de la réalisation du projet prothétique. Donc la collecte de ces différents éléments cliniques et d'imagerie vont donc nous amener, cela va aboutir au choix de la technique chirurgicale adéquate, puis au choix du nombre, de la longueur, du diamètre, de la position des implants et leur orientation dans les trois sens de l'espace, si vous voulez. À l'ère de la numérisation, cette planche représente le travail du cabinet. Ici, vous avez, donc, quand on est équipé en flux numérique, donc soit en internalisé ou là en externalisé, tout dépendra du cabinet où on est. On peut être en share side, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a tout le numérique sur le cabinet, au niveau du cabinet, vous prenez votre empreinte, vous faites votre planification et vous faites une pré-étude au niveau de la prothèse. Et cette pré-étude prothétique, soit vous la faites chez vous si vous avez l'équipement, soit c'est le laboratoire ou le prothésiste qui vous la fait et il va vous valider votre travail de planification. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de mettre l'implant dans une certaine position, dans un certain alignement, dans un certain axe, vous envoyez tout ça au laboratoire, il vous fait un pré-travail de la future prothèse et il peut, comme on l'a vu tout à l'heure avec M. Sahbi, on peut faire des dégâts et le prothésiste quelquefois ne peut pas rattraper les dégâts. Donc avant de poser l'implant, la prothèse doit valider votre planification. Donc comment faire donc son choix de la technique donc chirurgicale? Vous avez la technique avec lambeau, sans lambeau. Vous avez la technique chirurgicale en deux temps, en un temps. Ce qui nous intéresse, l'extraction implantation immédiate. L'extraction implantation immédiate associée à une mise en esthétique immédiate ou bien la technique traditionnelle d'extraction implantation différée comme Brandmark nous l'a enseigné. Et je rappelle ici que la chirurgie est au service de la prothèse, nous l'avons également vu tout à l'heure. C'est-à-dire tout simplement, l'implant doit être placé là où la prothèse en a besoin et pas l'inverse. Ici, on a donc l'analyse pré-implantaire. Ce tableau, c'est, si vous voulez, c'est les facteurs de risque esthétique. Vous devez analyser votre patient. Tout d'abord, l'état général. Déjà, l'état général est quelque chose d'important. On a des patients qui sont de gros fumeurs. Il vaut mieux ne pas poser d'implant. Ou plutôt, ce tableau nous dit que le risque esthétique est élevé. Si vous avez affaire à un patient immunodéprimé, également le risque est élevé. Donc, choisir son patient déjà à l'anamnèse. Ensuite, quand on commence l'examen clinique, vous avez, par exemple ici, la demande esthétique. Il y a des patients qui n'ont pas une demande esthétique importante, donc vous pouvez leur proposer des solutions, peut-être pas aussi parfaites que quelqu'un qui a une demande esthétique importante. On a parlé aussi de la ligne du sourire, très important. On peut parler également du biotype ici. Plus le biotype est fin et mince, plus le risque est élevé. Les infections, si vous avez une infection aiguë, le risque donc esthétique va être élevé. On va s'éloigner de cette technique d'extraction implantation immédiate. On peut donc continuer à lire le tableau. Par exemple, ce qui est important également, c'est ici l'anatomie des tissus mous. Vous avez donc le tissu mou qui est intact. On peut s'orienter vers une extraction implantation immédiate. Par contre, lorsqu'on a une absence de tissu mou ou alors une anomalie au niveau des tissus mous, c'est ce qu'on a vu avec la classification d'Eliane, eh bien le risque va être élevé. Voilà, je passe pour ne pas trop tarder. Là, c'est juste une planche pour montrer l'importance du biotype donc gingival. Les auteurs s'accordent, si vous voulez, à autoriser une extraction implantation immédiate dans un biotype fin en associant la greffe ou une greffe de conjonctif enfoui. Excusez-moi.
Voilà, je continue. Donc là, c'est un mot, on va dire un mot sur, les guides ou le guide radiologique qui va se transformer en guide chirurgical. Il est très très important en technique, on va dire, sans lombo, ce que je ne recommande pas particulièrement, bien entendu, mais les guides, si vous voulez, vont nous permettre, si on choisit de travailler son lombo, on a parlé tout à l'heure de l'importance de ne pas dépériosté l'os pour ne pas perdre, si vous voulez, donc pour ne pas accélérer ou augmenter la résorption osseuse. Donc les guides, il en existe trois en gros, donc les guides de pointage, les guides d'orientation et le guide de forage. Voici rapidement sur quelques photos des guides de pointage très simplistes, très basiques, qu'on peut faire soi-même pour nous aider à positionner les implants, donc la position des implants quand on a une édentation importante comme ici, comme on le voit sur ce cas. Ici, vous avez un guide d'orientation. On voit bien que ce guide-ci peut nous aider à un petit peu corriger l'orientation de notre implant, c'est-à-dire l'axe. On peut corriger un petit peu l'axe. Et on a enfin le guide donc, de forage qui est réalisé par CFAO, donc par l'informatique si vous voulez, où là, le praticien n'a aucun contrôle sur l'orientation du positionnement des implants, ni dans le sens vertical, l'enfoncement, ni dans le sac, les deux axes, si vous voulez. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on peut avoir un guide réalisé par CFAO pour une édentation unitaire. D'ailleurs, c'est recommandé par l'ITI. Évaluation maintenant des facteurs de risque. On a vu la clinique, on a vu les facteurs de risque locaux, au niveau biotype gingival et autres. On peut aussi évaluer donc, les facteurs de risque au niveau de l'imagerie. Donc, on voit ici, par exemple, donc un cone beam avec le guide radio en place et la position des dents. Et donc, on va analyser justement la position de cette dent-là. Est-ce que l'implant peut être installé ici dans les meilleures conditions, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'impositionnement idéal dans les trois sens de l'espace. Ici, c'est un logiciel de planification où vous pouvez mettre en place, simuler le positionnement de votre implant au niveau de cette 34, vérifier sur les coupes coronales ici qu'on peut le placer et qu'il est entouré suffisamment d'os, l'histoire de l'implant qui doit être entouré d'os au minimum 1 mm tout autour. Et un autre cas ici, avec donc le remplacement de la 22, également on va faire une simulation, une planification. Et on voit le positionnement en palatin, comme nous l'a expliqué Dr Sahbi tout à l'heure. On remarque qu'on peut stabiliser l'implant au-delà de la racine, puisque la stabilité primaire, quand vous retirez une dent, elle est obtenue au niveau apical et non pas au niveau cervical, puisque vous allez avoir l'alvéole, donc une large ouverture où on ne peut pas stabiliser un implant. D'ailleurs, il ne faut pas se tromper et mettre un implant large pour arriver à attraper l'os, puisque la compression de l'os cortical, nous l'a expliqué mon ami Sahbi, va entraîner une résorption. D'ailleurs, on va voir quelques rappels tout à l'heure, très rapidement. J'essaie d'avancer vite pour ne pas dépasser. Les avantages de cette technique, extraction-implantation immédiate, c'est quoi? C'est un seul temps, donc une seule intervention chirurgicale, donc on ne va pas faire plusieurs fois. Le moindre échauffement du forage, c'est vrai, on a du vide, et donc on va forer sur une petite profondeur, juste pour accrocher au niveau apical. Les délais ou le délai de cicatrisation qui va être diminué, puisqu'on est sur une alvéole richement vascularisée, contrairement à un os qui a cicatrisé, et surtout à la mandibule, où on a une perte de vascularisation, et donc on aura un problème cicatriciel. Et la préservation donc, des contours gingivaux, couronne transitoire. Lorsqu'on met une couronne transitoire en plus de ces techniques d'extraction-implantation immédiate, eh bien, on va préserver les contours gingivaux. Et enfin, vous avez la résorption osseuse qui est minimisée. Il y a quelques temps, on disait que l'extraction-implantation immédiate empêchait la résorption. C'est faux, bien entendu, c'est un phénomène naturel. Donc, il y a de la résorption. Mais cette technique d'extraction-implantation immédiate va minimiser un petit peu, si vous voulez, cette résorption. Ici, les inconvénients. Donc, comme toute technique, vous avez le traumatisme possible de l'alvéole lors de l'extraction, c'est-à-dire que le patient doit être averti à l'avance qu'on part sur une technique d'extraction-implantation immédiate, mais qu'en péropératoire, on peut changer d'avis. Donc, le patient est informé. D'ailleurs,
on devrait plus parler à nos patients. Il est vrai, on l'a compris tout à l'heure avec, ma collègue. Il faut communiquer avec vos patients et avec nos patients. Donc, difficulté de fermeture du site opératoire, difficulté de positionnement tridimensionnel. Il est très difficile de positionner un implant quand vous avez du vide. Et donc, c'est vraiment très difficile. Donc, voilà, ça fait la difficulté de la technique. Difficulté de positionnement tridimensionnel, on l'a dit. Nécessité de combler le hiatus, vous allez avoir du vide, les alvéoles déjà, et puis la distance ou le hiatus entre l'implant et la table vestibulaire. Donc, il va falloir greffer. Donc, il faut avoir des substituts osseux. Quand on a commencé l'implantologie, on faisait que des cas faciles. Là, on avait une autoroute, on mettait l'implant au milieu de l'os et on n'avait pas besoin de greffe. Aujourd'hui, c'est devenu quotidien. Quand on pose un implant, il est très, très, très souvent associé à une ROG ou une RTG. Donc, dans les secteurs prémolomolaires, cette technique peut être réalisée également, mais avec la difficulté qui est, si vous voulez, l'absence peut-être de support osseux au niveau d'une molaire du bas, c'est la finesse peut-être du septum interradiculaire. Voici donc les contre-indications aussi. Vous avez les défauts osseux et le manque d'adaptation implant par rapport à la paroi alvéolaire, la fenestration ou la déhiscence. Si il y a une fenestration importante, on ne pourra pas partir sur une extraction implantation immédiate. Destruction du site alvéolaire pendant l'extraction, là aussi, vous savez tous que l'extraction, c'est la boîte à surprise, on ne sait pas. On commence l'extraction, quelquefois ça vient tout seul, et puis des fois on fait des dégâts tout autour, d'où l'intérêt de l'extraction atraumatique et de l'extraction qu'on dit implanto-consciente, avec des techniques particulières et un matériel particulier. L'extraction d'avant qu'on faisait avant en détruisant tout l'os alvéolaire, il ne faut plus, bien entendu, faire comme ça. Le parodonte fin, on l'a dit, certains auteurs autorisent l'extraction implantation immédiate, mais en associant une greffe conjonctive éventuellement de dos également. Et puis le manque d'adaptation de l'implant par rapport à l'anatomie de l'alvéole. Un minimum de 3 parois, également, on l'a vu tout à l'heure, est nécessaire pour stabiliser votre implant. La position ectopique de la dent à remplacer, qui peut être une contre-indication. Et puis, la présence d'infections plutôt aiguës. Les infections chroniques, le risque, il est faible. Les infections aiguës, le risque d'échec ou le risque esthétique est important. Et là, on voit très clairement la difficulté opératoire. C'est pas une technique qui doit être faite par quelqu'un qui vient de commencer l'implanto. D'ailleurs, le secteur antérieur est un secteur très sensible. Il faut faire très, très, très attention. Vous voyez ici, ça, c'est le forage pour poser l'implant. Ici, c'est la position de la dent. Donc, on voit bien qu'on respecte cet élément important qui est le positionnement palatin pour éviter la compression de la table vestibulaire qui va entraîner sa résorption. Et puis, encore un mot ici, ça c'est un pointeur, ou là c'est un forêt pointeur, il faut avoir ce type de forêt. Dans les boîtes d'implanto, quelquefois on n'a pas celui-là. On a un forêt pointeur qui n'est pas aussi pointu, et donc on ne peut pas piquer là où il faut, on ne peut pas pointer là où il faut. Qu'est-ce qui se passe? Votre forêt va glisser et va aller dans l'alvéole que vous venez de créer, et vous êtes mal orienté, vous avez mal orienté votre axe donc implantaire. Ici, c'est un récapitulatif, ou bien juste un arbre décisionnel qui peut nous aider un petit peu dans notre choix. C'est simple, vous avez le type 1, donc chez Eliane, le type 1, quand vous avez un parodonte fin, on n'a pas, si vous voulez, on déconseille cette technique d'extraction implantation immédiate. Si vous avez un positionnement idéal qui n'est pas possible, eh bien, on ne va pas faire d'extraction implantation immédiate. Et lorsqu'on a une stabilité primaire qui n'est pas suffisante, eh bien, on ne fera pas l'extraction implantation immédiate. On va se diriger vers une technique traditionnelle, c'est-à-dire une implantation différée. Par contre, quand on cumule, quand on a tous les éléments ici en faveur de l'extraction implantation immédiate, eh bien, on va le faire. Vous avez vu que Funato nous dit autre chose. Chen et Buzer disent quelque chose. Donc, les auteurs ne sont pas tout à fait d'accord. Ici, un cas, regardez, un cas donc, d'une dent qui est arrivée en fin de vie, comme on dit, on ne peut pas la conserver. Quand vous faites votre simulation, votre planification, alors, vous mettez l'implant, on remarque très bien que l'implant ne peut pas être stabilisé au niveau apical. On le voit, la partie apicale est détruite ou résorbée. Donc, on va se diriger vers quoi? Vers une technique différente, c'est-à-dire
une implantation différée, on va retirer la dent, préparer le site, nettoyer le site, greffer, donc on va mettre une greffe ici osseuse, on va combler l'alvéole, épaissir un petit peu notre table, et on va attendre tout simplement la cicatrisation. Ici à J0, ici 7 mois plus tard, vous avez une reconstruction de votre os alvéolaire et de votre alvéole. Et là, vous avez donc la mise en place de l'implant en respectant donc le positionnement palatin et en ayant cette sécurité de table osseuse ou de table vestibulaire supérieure à pratiquement 1,5 ou à 2 mm. Et on voit ici le positionnement palatin. Le résultat, donc, avec la couronne d'usage à 3 semaines. Et ici, le résultat à 2 ans avec une intégration parodontale très satisfaisante. Et au niveau radiologique également, vous avez un résultat très satisfaisant. Un mot sur les impératifs, on vient de le voir, mais on le répète, les impératifs de positionnement. On sait qu'il faut positionner les implants à 3 mm les uns des autres pour maintenir ce pic osseux qui va maintenir la papille. Au niveau donc, de la dent, c'est un peu moins 1,5 mm entre une dent naturelle et un implant. Pareil, pour maintenir ce pic osseux, cet os qui va maintenir les tissus mous. Bon, pour l'espace prothétique, oui. Et là, on a quelque chose d'important, c'est la position du point de contact par rapport au pic osseux qui ne doit pas être supérieur à 5 mm. Si vous dépassez les 5 mm, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le trou noir, le fameux trou noir, l'absence de papille. La papille ne pourra pas occuper cet espace, c'est trop loin. Donc 5 mm, pas plus. Positionnement, quand on a une édentation pleurale, bon, c'est en général du 7 mm entre les implants. Et puis, on peut s'aider avec les guides qu'on a vus, le guide radio qu'on a vu tout à l'heure. Une formule pour savoir combien d'implants on peut poser, mais on peut tricher un petit peu. Et enfin, vous avez aussi là, axe implantaire en accord avec l'axe prothétique. C'est indispensable, mais on a une marge d'erreur. Il existe ce qu'on appelle des tournevis avec rattrapage d'axe. Donc on peut, dans cette situation où il y a une différence entre l'axe implantaire et l'axe prothétique, on peut utiliser ce dispositif ou cette pièce-là pour mettre une prothèse vissée. Parce que sans cet outil-là, vous ne pouvez pas faire du vissé, vous allez faire du scellé. Ici, pareil, l'enfoncement est quelque chose d'important. Il ne faut pas mettre l'implant n'importe comment au niveau enfoncement. Donc, c'est les fameux 4 mm par rapport à la ligne donc, de la gencive ici ou bien la jonction émail-cément. Vous avez aussi une information qui est plus l'implant sera de faible diamètre, plus nous aurons tendance à l'enfouir. Pourquoi? Pour avoir ce profil d'émergence qui est harmonieux. Ce qui n'est pas le cas sur cette radio. Le profil d'émergence n'est pas harmonieux et on peut avoir des problèmes au niveau paro. Et également, vous avez un implant qui n'est pas positionné au niveau centrale par rapport à l'édentation. Et donc, ce profil d'émergence n'est pas bon. Là, un enfouissement insuffisant, eh bien, vous avez ces problèmes d'apparition de quelques spires de votre implant. Si vous avez un biotype épais, ça peut être géré. Mais si vous avez un biotype fin, vous avez un échec, parce qu'au niveau antérieur, c'est l'esthétique qui prime, même si l'implant ne bouge pas, mais ça reste un échec implantaire. Ensuite, ici, vous avez un enfouissement qui est trop important et donc l'apparition de ces trous noirs. Une chose importante, c'est la problématique de la résorption osseuse. La résorption osseuse est un phénomène naturel, donc il est inévitable. Ce remodelage osseux va aboutir à peu près à 63% donc de pertes volumique donc, au niveau horizontal et 11% au niveau vertical. Et en termes de, si vous voulez, en millimètres, ça s'approche de 4 mm en horizontal et 1,2 à peu près en vertical. Quels sont les moyens qui vont nous permettre de minimiser cette résorption? Il faut travailler sur ces éléments-là. On sait que la transformation ou les transformations sont majorées par l'extraction traumatique, donc une extraction atraumatique est nécessaire quand on est implanto-conscient et qu'on prévoit de faire quelque chose au niveau implantaire et même quand on n'est pas dirigé vers l'implanto, il est intéressant de préserver l'os puisque ça va être le support de la prothèse, implanto ou non implantaire.
La levée de lombo, on l'a vu. Si on lève un lombo, vous allez priver votre os alvéolaire d'une source de vascularisation qui est le périoste. Et si vous faites donc, s'il y a une absence de dents adjacentes, ça augmente la résorption. On a aussi la maladie parodontale, on l'a vu, le biotype fin, on l'a vu, et les lésions endodontiques également, on l'a vu avec les résorptions, et tout trouble. L'âge, le diabète, le tabagisme, c'est connu, le risque d'échec est beaucoup plus important que chez les personnes non-fumeurs, l'ostéoporose, enfin tout ce qui touche au métabolisme osseux donc, doit être pris en compte. L'extraction atraumatique et le placement immédiat de l'implant préservent l'os et l'architecture gingivale. Quand je dis préserve l'os, je ne dis pas qu'il n'y a pas de résorption, on s'est compris, on va minimiser les phénomènes de résorption. Encore quelque chose d'important à noter, c'est qu'au niveau antérieur, on l'a dit tout à l'heure, vous avez dans plus de 90% des cas une table corticale, une épaisseur corticale de la corticale qui est inférieure à 1 mm. Ça veut dire que naturellement, le secteur antérieur est un secteur très difficile à gérer en termes d'extraction implantation immédiate ou là, tout simplement en termes implantaires, puisqu'on va avoir des résorptions. Donc il va falloir faire attention. Ensuite, on a le comportement osseux après extraction. Donc, la cicatrisation osseuse ne peut intervenir que si vous avez trois facteurs. Bien sûr, des ostéoblastes, bien sûr, une stimulation donc, comme une blessure, une extraction ou un forage, et bien entendu, une vascularisation. Donc, le sang est quelque chose de primordial. Les ostéoblastes, si vous avez un problème général, un déficit immunitaire ou une maladie générale qui fait que le métabolisme osseux n'est pas bon, eh bien, vous allez avoir des problèmes de cicatrisation. La mandibule est composée d'un os cortical, on l'a vu, recouvrant donc un os spongieux trabéculaire dense du fait donc, des insertions musculaires puissantes. L'édentement, donc quand on va faire une extraction, cela modifie peu cette structure. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une perte progressive de la vascularisation et donc un problème au niveau de l'implant plus tard. Et au niveau maxillaire, qui est composé donc d'un os cortical très fin ou très fine, une corticale très fine, recouvrant un os spongieux à la trabéculation plus ou moins lâche. Et là, l'édentement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner une perte progressive de la capacité à immobiliser un implant. C'est-à-dire que l'os, il va devenir décate, il va devenir très lâche. Et donc, on aura un problème de stabilisation d'implant. Ce schéma ou cette photo nous explique un petit peu l'histoire de la vascularisation. Donc, toujours dans le comportement osseux, après la pose d'implant, cette fois-ci, la pose d'implant exerce une pression continue. Si vous êtes sur un os trabéculaire, l'os trabéculaire, cet os spongieux, va absorber cette pression. Si vous êtes sur un os cortical, eh bien l'os cortical est dense, c'est très dur, et donc ne peut pas absorber cette pression. Qu'est-ce qui va se passer? Une ischémie. Et cette pression donc constante sur l'os cortical va entraîner un remodelage contrarié. Le remodelage contrarié, c'est tout simplement une nécrose. Sur ce schéma, je vous ai mis, j'espère que c'est visible, c'est un peu flou là, mais chez moi c'est bon. Vous avez ici les canaux de Volkmann. Les canaux de Volkmann, ce sont ces petits vaisseaux qui traverse la corticale. Si vous faites un lombo, vous allez dépérioster et donc un apport sanguin va être supprimé. Si vous mettez un implant qui va venir comprimer la corticale, vous allez couper l'arrivée sanguine au niveau de ces canaux de Volkmann. Donc vous allez assécher votre corticale qui est déjà pas bien irriguée, vous allez avoir une nécrose. Ça veut dire quoi? Bekri, qu'est-ce qu'on disait? Plus l'implant est serré, mieux c'est. C'est faux dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut gérer un petit peu cette... Une minute. Je vais vite. C'est le résultat d'un positionnement vestibulaire. Positionnement vestibulaire, ce qui se passe, c'est une résorption. Et lorsque vous avez un biotype fin, c'est plus grave que si vous aviez un biotype épais. Et ce que vous avez, c'est ça. Et ça, au niveau antérieur, avec un sourire haut, eh ben, c'est un échec. Le patient n'acceptera pas ça. Chalmazali Hakim. C'est bon. C'est bon. Donc, stabilité primaire. C'est très important, la stabilité primaire. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, l'os est décomposé donc, en D1, D2, D3, D4,
avec, on l'a vu aussi avec notre ami Dr Sahbi, ici le positionnement de ces différentes structures osseuses. Et ça, c'est important. Est-ce que vous connaissez ça, l'unité Hammersfield? L'unité Hammersfield, c'est l'expression ou c'est la représentation au niveau de, du scanner de votre os. Un os D1, vous allez avoir une unité ensuite supérieure à 1250. Alors, vous allez trouver des chiffres qui varient en fonction des auteurs. Mais c'est à peu près ça. D2, c'est 850 et plus. D3, 350. Et D4, c'est à peu près entre 350 et 150. Au niveau de votre cone beam, vous pouvez anticiper et dire, tiens, ça, c'est une zone osseuse qui est type D4. Donc, vous utilisez peut-être un implant spécifique, peut-être une technique chirurgicale spécifique, peut-être un aménagement ou une chirurgie pré-implantaire pour préparer votre site. On a vu tout à l'heure un implant dans le sinus, donc il n'y avait pas d'os. Et en plus, au niveau maxillaire, c'est un os qui est type D4. Donc c'est très mou. Et si vous poussez trop, ben vous pouvez envoyer votre implant dans le sinus. Donc il faut savoir que l'os D4, vous avez 90% de la surface implantaire qui est au contact de l'os. Donc ça va cicatriser. Le D4, seulement 25% de cette surface osseuse. Et donc, comme si l'implant ne tenait pas sur toute sa surface. Donc il n'y a pas une accroche importante. Ensuite, par conséquent, on va dire, il est préférable dans un os D4, soit d'allonger la période de cicatrisation. C'est pour ça qu'au maxillaire, Brandmark disait, on attend 6 mois. Et en la mandibule, comme l'os est plus dense, on attendait 4 mois. Pour passer à l'étape prothétique. Maintenant, ça a changé, bien entendu. Donc, on a dit, soit on attend plus longtemps, donc D4, allonger la période d'utilisation et ne pas trop charger. Il y a aussi une technique de ne pas trop charger les premiers temps. Ensuite, il y a une autre méthode, de densification de l'os D4. On va transformer cet os D4 qui n'est pas très réceptif à l'implant, qui n'accroche pas bien l'implant. On va le transformer comment ? Soit par une technique de forage particulière, il existe des instruments particuliers pour en parler, et ou alors la stimulation endostée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Marc Bert qui aime ce sujet. La stimulation endostée, quand vous êtes en mandibule, en os très dense ici, vous faites un forage, vous refermez, vous réouvrez 3 à 4 semaines après, vous avez un os qui est richement vascularisé. Donc, vous faites en deux temps. Hein? Donc, ici, c'est bon, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Hakim? Hakim, au secours. Ça va aller, c'est bon. Stabilité primaire, donc je continue. Donc, dépend de la nature du contact entre l'os et la surface implantaire, on l'a dit. Le degré d'ancrage de l'implant influence les résultats à long terme, donc implantaire. Une stabilité primaire insuffisante représente un facteur de risque biomécanique. Plus l'os est dense, plus la stabilité primaire est élevée, je viens de le dire, mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas trop serrer non plus. Il est recommandé d'utiliser des implants larges, donc, ou alors des implants longs, dans un type D4, pour augmenter la surface de contact avec l'os alvéolaire. Ici, un bref rappel sur l'importance de la radio pour vérifier les axes. On peut se tromper au niveau clinique. La couronne, si on suit la couronne, on est bon. Mais si on regarde la radio, la racine elle est un petit peu courbe, on peut toucher la racine en bas. Ici, une erreur et puis une rectification. Des fois, on ne peut pas rectifier. Il y a trop de vide. On ne peut plus rectifier. Donc, il va falloir faire attention au départ. Là, au niveau de cette planche, c'est juste pour dire que, au niveau du forage, si vous êtes bon, vous vérifiez vos axes. Même au niveau de la mise en place de l'implant, sur un type D4, vous pouvez, en forçant un petit peu à gauche ou à droite, vous pouvez dévier, même si votre forage est bon, au contrôle des guides ici.
cas clinique très rapidement, extraction implantation immédiate. Voici donc un cas qui est type d'Eliane 1, donc on peut y aller sans problème. On fait notre, c'est une 22, on fait notre simulation ici, on place l'implant, c'est tout bon, on met une couronne ici aussi pour simuler, on a la position qui est palatine, donc on est bon, et on vérifie bien entendu sur les coupes coronales, là aussi on est bon, on appuie sur la table palatine, j'ai ici une surface, ou plutôt j'ai une épaisseur d'os cortical qui est suffisante, et un ancrage, apical qui est suffisant. Donc là, je peux me dire, je peux y aller. Voilà le cas donc, en clinique. Vous avez en bas, ici, la flèche verte, c'est le forage. Vous avez la flèche jaune en haut, c'est l'alvéole de la dent extraite. Donc vous voyez bien qu'on est vraiment en palatin. Vous avez le contrôle, juste le contrôle de la position centrale de votre forage. Ici, le contrôle qu'on est en palatin. Et si vous avez votre guide qui touche la sonde, ça veut dire que vous êtes trop en vestibulaire. Ici, bon, la radio. Là, comme toujours, comme on l'a expliqué, on va mettre un petit peu d'os pour renforcer cette table vestibulaire, un contrôle radio, les sutures, et on est tranquille. Et là, c'est le résultat. Donc, c'est la livraison à 3 mois. Donc, on a une gencive à 3 mois qui est, on va dire, une intégration parodontale correcte, très correcte. C'est un cas de 16, donc là aussi on peut préconiser une extraction implantation immédiate dans le secteur postérieur, mais avec ces difficultés-là, on peut calculer la longueur, la largeur, on fait également une simulation sur un logiciel de planification, on regarde les coupes coronales, on regarde les coupes panoramiques, et voilà la clinique après extraction, mise en place de l'implant. Ici, on a rajouté un petit peu d'os pour combler les alvéoles déshabitées et épaissir, même si on n'a pas vraiment besoin d'épaissir dans ce cas. Quelquefois, on aime bien mettre une membrane, ce n'est pas systématique. La vis de cicatrisation, la radio de contrôle qui montre rien de particulier. Ici, à 3 mois. Ici, avec la livraison. Et bien entendu, on voit bien que l'intégration parodontale est correcte et parfaite, on va dire. Là, c'est un cas d'extraction implantation immédiate avec mise en esthétique. Donc si vous avez si vous voulez le workflow pour être un peu à jour, donc si vous avez le flux numérique, vous pouvez extraire la dent, mettre une vis de cica. Bien sûr, avant la vis de cica, vous mettez le scan body, donc un dispositif qui va vous permettre d'enregistrer la position de l'implant. Vous enregistrez également le site opératoire interne. Comme vous envoyez tout ça au laboratoire et il vous fournit votre prothèse, votre couronne transitoire ou votre couronne temporaire dans les 48 heures ou même dans la semaine, c'est possible. Ici, une petite vidéo, je peux ? Une petite vidéo. On travaille en équipe, ma collègue ici. Il y a une autre collègue que vous ne voyez pas. On travaille à 3. Toujours, quand on met en implantant, on est à 3. Donc, vous êtes 2 opérateurs et il y a quelqu'un qui va vous servir. Voilà la planification. Ici, vous vérifiez donc que vous êtes en ancrage suffisant. Voilà ce qu'on appelle un périotome. Ça n'est pas un élévateur. Il est très, très, très fin. Il vous permet de faire une extraction atraumatique pour ne pas endommager le support osseux qui nous intéresse, nous, pour poser notre implant. Très, très délicat, on ne met jamais l'instrument au niveau vestibulaire. On est toujours ici en position palatine. Bien sûr, les périotomes, il en existe plusieurs types, plusieurs marques. Il va falloir voir tout ça. Extraction atraumatique. J'espère que l'image est correcte. Extraction atraumatique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier, ça c'est important, vérifier l'intégrité de la table vestibulaire avec votre sonde. Et il suffit de gratter, hop, et à un moment donné, vous voyez la sonde, l'empreinte de la sonde sur la muqueuse, et vous pouvez juger de votre classe d'Eliane ou de Chou et collaborateur. Vous allez vous dire, je peux y aller ou là. Un passage du forêt pointeur, c'est le premier qui est important. Il faut le mettre là où il faut, et en utilisant, je vous ai dit tout à l'heure, le pointeur avec une pointe. Il est très pointu, vous pouvez piquer, vous pouvez pointer là où il faut, sinon vous glissez. Et donc, il faut quand même être un peu, on va dire, un peu habile de ses mains peut-être, ou là,
avec un minimum d'expérience. Ce que vous avez vu là, c'est une récupération. Je fore, je récupère l'os. Je vais le mettre dans un petit godet où je mets un peu de sérum. Et après, je mélange cet os autogène à un substitut osseux que l'on achète, du bio-os, ce qu'on veut. Et là, donc on vérifie après le premier forage, on vérifie les axes, le positionnement dans les trois sens de l'espace. C'est ça la clé de la réussite, c'est le positionnement 3D de votre implant. On vérifie, bah ça c'est juste une photo pour dire il est bien au milieu. On vérifie aussi au niveau radiologique, on est obligé, il est bien au milieu. Et quelquefois on a un espace ici très très réduit, quand il s'agit de latéral par exemple, et bien il faut bien être au centre. On met en place notre implant et quelquefois, c'est l'implantologiste qui le dit, quelquefois vous partez dans l'alvéole. Vous ne partez pas dans le puits de forage, vous partez dans l'alvéole. Donc il faut bien vérifier l'axe d'insertion de votre implant là. Et puis vous vérifiez le torque. C'est important d'avoir un implant qui est bien torqué. Au-delà de 35, vous pouvez mettre 35 newtons par centimètre. Vous pouvez mettre une mise en esthétique. Vous pouvez mettre votre courante provisoire. C'est-à-dire que, en général, c'est de la visser, bien entendu. Et comme l'implant est vissé à 35 et que la vis va se torquer à 10 à peu près, il n'y a pas de problème. Sinon, vous dévissez l'implant. Donc, le torque est important. Ici, on vérifie l'enfoncement. On peut vérifier l'enfoncement déjà avec la clé, puisque vous avez une graduation millimétrée. Vous pouvez déjà le vérifier ici avec la clé. Le porte-implant, si vous voulez. Mais on peut également mettre une sonde paro pour vérifier tout ça. Et comme beaucoup d'auteurs le signalent et le conseillent, on va rajouter de l'os pour épaissir un petit peu cette table vestibulaire. Quelquefois, on l'a dit, un peu de conjonctif. Mais là, il n'y a pas besoin. Vous mettez la vis, vous fermez et vous êtes tranquille. Je passe... Juste avant de conclure, cette planche, c'est pour dire que on va s'orienter vers une technique, vers un travail. Il faut se former. Moi, je me suis formé, mes amis se sont formés. Ça fait des années qu'on se forme et on continue à se former. Vous allez, avec la formation, acquérir de la compétence et de l'expérience et la confiance vis-à-vis de vos patients qui est indispensable. On ne triche pas avec le patient. Et pour finir, je vais vous lire juste la conclusion. Les déterminants de l'ostéo-intégration, donc le succès implantaire, c'est quoi? C'est la sélection rigoureuse du cas. C'est-à-dire que l'état général du patient est important. L'état local, alors local en clinique, et local avec la planification, l'imagerie. Donc tout ça est important. Maîtriser le protocole, ça nécessite des compétences. On l'a vu, il faut se former. Pour la mise en place de l'implant, selon les règles établies, le positionnement 3D. C'est très facile sur un implant posé en différé, puisque vous avez une surface osseuse pleine. Mais en extraction plantation immédiate, c'est très très délicat à positionner. Je vous assure que ce n'est pas évident, bien qu'il n'existe pas de consensus scientifique concernant ce protocole. Eh bien, on a quand même des éléments clés qui sont le biotype épais, qui nous met dans une situation de risque modéré ou faible, la corticale vestibulaire qui doit être présente et épaisse, et enfin le positionnement palatin et la stabilité primaire. Je vous remercie.